Cela concerne plusieurs dizaines de sociétés. Et donc, le travail que nous faisons, c'est d'abord la rédaction de la plainte, avec bien entendu toutes les pièces jointes à la plainte. Et ça, nous faisons un travail de recherche sur les différentes sociétés qui diffusent l'offre. Qu'on fait aussi, on fait des recherches sur les sites internet qui aussi déposent les offres en question. Et comme disait tantôt M. Rofa, parfois on a l'impression que soit ils se disent que ces sociétés en question, ils se disent que c'est pas très très grave, donc on peut le faire, ou alors c'est par ignorance, parce que quand même il y en a beaucoup beaucoup, il y en a beaucoup trop d'ailleurs j'estime. Et donc nous déposons systématiquement plainte au niveau du siège social par exemple des différentes entreprises, ce qui fait qu'on a eu à en déposer à Paris, en province aussi. Et pour cela, nous avons à peu près une centaine de plaintes en ce moment, comme je l'avais indiqué. Et nous faisons ce travail de recherche-là justement pour faciliter un peu aussi le travail des services compétents. Parce que comme le regrettait Samuel, l'enquête ne va pas aussi vite que nous l'aurions souhaité, pour parler de manière très diplomatique. Et donc pour éviter en fait qu'ils disent que c'est une charge de travail en plus. Par exemple, je parle des officiers de police, même si c'est leur travail, tout ce que nous pouvons trouver comme information susceptible de leur faciliter le travail, nous faisons ces recherches-là et nous joignons les éléments en question aux plaintes que nous déposons. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu vraiment de retour positif, mais nous ne désespérons pas. Et de toute manière, nous ne lâcherons pas prise tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause. Et donc, il y a d'autres, une bonne centaine de plaintes à arriver encore sur la table du procureur.